Sois très abondamment béni, mes bien-aimés. Nous sommes dimanche. Dimanche 12. Et comme tous les dimanches, nous abordons la deuxième session de la journée, celle du soir. Amen. Et je me réjouis d'être en votre présence. Je me réjouis de savoir que nous sommes... que nous sommes là, à son attente. Alléluia. Amen. Que nous sommes là à son attente. Que son nom soit glorifié. Amen. Normalement, ce programme devait s'arrêter hier. Mais le Seigneur, il est souverain. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a prescrit de le prolonger. Alléluia. Parce qu'il y a encore des œuvres qu'il a à accomplir dans la vie de certains parmi nous. De toutes les façons, dans la vie de nous tous. Alléluia. Il y a encore des œuvres qu'il a à accomplir dans nos vies. Fort de cela, il a demandé que nous soyons encore, que nous prolongions ce programme-ci. Amen. Alors, notre disposition de cœur va témoigner du résultat que nous avons à atteindre. Alléluia. Oui. Le résultat que nous allons atteindre va dépendre de la disposition du cœur que nous avons. Amen. Nous allons commencer par élever un cantique à la gloire de notre Seigneur. Le 302. Nous y sommes. Le cantique 302. Ok, baissons la tête, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous voici encore ce soir, tel que tu nous as convoqués, Seigneur. Nous avons répondu présent. Seigneur, et dans ta présence, tu accomplis tes merveilles. Voici ton peuple, Seigneur, réuni et qui s'attend à toi. Père, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom dans nos cœurs. Manifeste-toi en chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cantique 302. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime. Je dirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai. Sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, portant ma peine.
dans sa grâce, prie à ma place. Dieu dans sa grâce, prie son cher fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour en sacrifice à la justice, en sacrifice, il va souffrir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le Calvaire, imaginez, le Seigneur nous aime. Son amour est au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, de tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible, nous allons lire un bout de la parole, juste pour nous faire remarquer quelque chose. Luc chapitre 11. Du verset 5 au verset 13. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Alléluia. Nous y sommes. Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi du pain, car un de mes invités est arrivé à la maison, est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas,
La porte est déjà fermée. Mes amis et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Je relis le verset 8. Il dit ceci. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. 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 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Dans ce passage, nous retenons deux choses très importantes. La première, c'est que si tu désires quelque chose du Seigneur, tu le lui demandes, il va te le donner. Si tu désires le Saint-Esprit du Seigneur, tu le lui demandes, il va te le donner. Alléluia. Et si tu le lui demandes et qu'il ne te le donne pas du coup, importune-le. Demande avec insistance. Il te le donnera. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Que nous devons demander. Demander et demander encore. Nous ne devons pas nous arrêter de demander. Aussi longtemps que nous avons le désir qui monte en nous, aussi longtemps que nous soupirons après cette chose et que c'est le Seigneur qui la donne, nous devons aller vers lui pour demander. Avec l'assurance qu'il va nous le donner. Alléluia. Avec l'assurance qu'il va nous le donner. J'étais tantôt en train de nous dire que ce programme a été prolongé parce que le Seigneur a encore des œuvres qu'il a à faire en nous. Alors, il y a des choses que nous devons encore lui demander. Toi, tu connais le fardeau que tu portes sur ton cœur. Alléluia. Tu connais, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu attends du Seigneur. Amen. Demande-le-lui. Amen. Il y a même des choses qui sont faites pour toi que tu ne connais pas, que le Seigneur seul connaît. Alléluia. Il y a des choses qui sont faites pour toi, que toi-même tu ignores, et que c'est le Seigneur qui connaît. Ça aussi, tu dois les lui demander. Tu dois les lui demander pour qu'il te les donne. C'est ton droit de les avoir. C'est ton devoir de les réclamer. Alléluia. C'est ton droit de les avoir. C'est ton devoir de les réclamer. Et tu les réclames à quelqu'un qui te dit avec assurance que si tu les lui demandes, il va te les donner. Donc, tu demandes avec l'assurance que tu vas l'avoir.
Lui, il est un Dieu qui est fidèle. Amen. Amen. Si tu toques, il va ouvrir. Si tu demandes, il va te donner. Si tu cherches, tu vas trouver. Tu vas trouver. Alléluia. Donc, bien aimé, ce qui est important pour nous, c'est de nous mettre, que nos cœurs soient dans la disposition de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Que nous soyons disposés, que nos cœurs soient suffisamment, que le poids de ce que nous voulons soit suffisamment pesant en nous pour que nous puissions nous porter devant le Seigneur avec cela. Alléluia. Alors nous allons voir le résultat. Je parle à quelqu'un? Il ne demande qu'à exaucer ta prière. Alors pour qu'il exauce, il faut que tu aies prié. Toi donc, ce que tu dois faire, c'est de... C'est de prier. C'est de prier. De prier. De prier encore. De prier avec insistance. De prier avec persévérance. Et surtout de prier avec assurance. Alléluia. C'est de prier, frère. Quand tu lui demandes quelque chose, demande-le lui. Si tu ne le reçois pas, demande-le lui. Tu n'as pas d'autre destination. Alléluia. Tu n'as pas d'autre source. Il est seul. Il est ta seule source. Amen. Il est ta seule source. Alors si tu demandes quelque chose, tu as besoin d'une chose que tu veux obtenir de lui, tu lui demandes, il n'y a que lui pour te le donner, alors continue à aller vers lui. Va vers lui avec insistance, persiste, signe. Alléluia, il va te le donner. Importune-le, c'est ce qu'il a dit dans le verset. Alléluia. Importune-le. Il va te le donner à cause de ta persévérance. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce immense que nous avons de nous retrouver avec de telles, avec une telle solution dans notre vie. Amen. Avec une telle possibilité. C'est une grâce. Savoir que dans qu'importe la situation que nous avons, il suffit de lui demander et puis le problème est résolu. Alléluia. Oui, il suffit de lui demander et puis le problème est résolu. Des fois, nos problèmes ne sont pas résolus à cause de notre ignorance. Amen. À cause de notre ignorance. Rosine, debout. À cause de notre ignorance. Ayons le cœur ouvert à lui. Assieds-toi, s'il te plaît. Alléluia. Ayons le cœur ouvert à lui. Ayons le cœur ouvert à lui. Que rien ne nous détourne de cela, de cet objectif-là. Ayons le cœur ouvert à lui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Cantique numéro 8. Ayons le regard tourné vers lui. Ayons le regard tourné vers lui. Déposons nos fardeaux à ses pieds avec l'assurance qu'il va les prendre
Alléluia. Et il va nous donner son joug qui est léger. De toutes les... Il l'a déjà fait. Le problème, c'est est-ce que nous sommes disposés à prendre cela? Amen. Est-ce que nous savons prendre cela? Est-ce que nous savons qu'il est de notre devoir de prendre cela? Amen. Oui, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Mais lorsqu'on te donne, il faudrait encore que tu le reçoives. Amen. Quand on t'a donné une chose, faut-il encore que tu aies la capacité de le recevoir? Le Seigneur a disposé toutes ces choses ici pour nous. Mais sommes-nous seulement dignes de les recevoir, mes frères? Sommes-nous seulement prêts à les recevoir? Pouvons-nous payer le prix pour recevoir cela? Nous le devons en tant que fils. Quels que soient les obstacles qui sont sur le chemin, nous devons avancer. Devant, il est là pour enlever chacun de ces obstacles-là. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis. Le nom de Jésus est béni. Soit ton nom.
infiniment élevé. Que le nom de notre grand Dieu soit infiniment élevé. Alléluia. Cantique numéro 6. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Nous venons en ce lieu, nous nous déplaçons, nous venons là où nous nous trouvons pour glorifier son nom. Parce qu'il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Oh!
Amen. Il est grand et glorieux. Il est digne d'être exalté. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles, nous allons lire un passage. Amen. Jean chapitre 1. Nous pourrons lire à partir du verset 1er même. Nous allons commencer ici à partir du verset 9. Amen. Mais nous pourrons lire à partir du verset 1er après, pour bien comprendre. Amen. Du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous y sommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par la lumière. Alléluia. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à toi qui as eu le privilège de le recevoir, à toi à qui le Seigneur a fait grâce de le recevoir, à toi à qui le Seigneur a fait grâce de croire en son nom, parce que ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ton bon vouloir. C'est encore lui qui l'a fait. À toi à qui le Seigneur a fait grâce de croire en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière t'a donné à toi, à qui il a donné la grâce de croire en son nom, à qui il a donné la grâce de le recevoir, cette lumière t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi donc, tu n'es plus né du sang. Amen. Le Seigneur ici parle à quelqu'un. Amen. Le Saint-Esprit ici parle à quelqu'un. Amen. Ainsi donc, mon frère, ma sœur, tu n'es plus né du sang. Tu n'es plus né de la volonté de la chair. Tu n'es plus né de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, si naître c'est sorti des entrailles, cela veut dire que tu n'es plus sorti des entrailles d'une femme, d'un homme, tu es sorti des entrailles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sorti des entrailles de Dieu. Et il t'a donné la grâce, il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre les choses de Dieu. Or, nous savons que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et les enfants de Dieu vivent en esprit. Parce qu'eux aussi, étant sortis des entrailles de Dieu, eux aussi sont esprits. Amen. Ainsi donc, mon frère, si tu es donc né de Dieu, c'est que tu es esprit. Si tu es esprit, tu dois manifester les œuvres de l'esprit. Si tu es esprit, tu dois manifester les œuvres de l'esprit. Or, lorsqu'on te regarde, on ne voit que la chair.
Amen. Lorsqu'on te regarde, ce qu'on voit, c'est la chair. Pour que le Saint-Esprit nous instruit que pour que l'Esprit se manifeste, il faut que la chair que nous voyons la meure. Alléluia. Il faudrait que les œuvres de la chair que nous voyons là meurent. Et que la chair finalement ne serve que de temple pour l'esprit. Et que la chair ne serve que d'habitacle, que de maison, que de demeure pour que l'esprit vienne y résider. Parce que la chair en elle-même a aussi ses œuvres. Amen. Lorsque je te regarde, je vois la chair, une chair qui a aussi ses œuvres. Mais il va falloir que ces œuvres de la chair là soient détruites. Amen. Il faudrait que ces œuvres de la chair là soient détruites parce que dès lors que tu es né de Dieu, tu n'es plus charnel. Or, lorsque je te regarde, je vois la chair. Alléluia. Ce qui suppose que lorsque je te vois, ce que je veux voir en toi doit se situer au-delà de la chair. Amen. Amen. Je dois voir au-delà de ce que je vois avec mes yeux naturels. Je dois voir en toi l'esprit. Et je dois voir en ta chair le temple dans lequel réside l'esprit. Alléluia. Et pour que ceci soit évident, pour que ceci soit possible, il faudrait que tu aies travaillé et que tu aies naquis de nouveau. Amen. Il faudrait que tu aies naquis de nouveau, pardon, que tu aies naquis de nouveau et que tu aies travaillé afin que les œuvres de l'Esprit viennent se manifester en toi, que l'Esprit vienne résider dans cette chair que nous sommes en train de voir. Et que lorsque la chair se meut, ce ne soit pas ce qu'on est en train de voir là qui se meut, mais qu'à l'intérieur, il y a l'esprit qui est en train de conduire la chair. C'est à cela que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. C'est à ceci que nous sommes fils de Dieu. Parce que nous sommes les enfants sortis des entrailles de Dieu, des enfants de l'esprit qui vivons dans cette chair que le Seigneur a disposée pour nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait que ce que vous voyez là, Paul, moi, si. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui. Ce que vous voyez là, ce n'est plus moi. Alléluia. Ce que vous voyez là, ce n'est plus. Mais c'est Christ vivant en moi. C'est le Saint-Esprit vivant. C'est le Saint-Esprit qui se meut, qui bouge, qui agit en moi. Mais lorsque vous regardez, vous voyez Paul. Alléluia. Il en est de même pour chacun de nous, mes frères. Il en est de même pour chacun de nous. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit, pour vivre par l'esprit. Pour vivre par l'esprit. Or, l'esprit, ne s'encombre pas des œuvres de la chair. Alléluia. Non. Bien-aimés, nous sommes bénis. Nous sommes bénis des bénédictions spirituelles. Je vais dire ça autrement. Nous sommes bénis des bénédictions de l'esprit. Amen. Que le Seigneur lui-même a déjà faites pour nous. Nous sommes bénis des bénédictions de l'esprit que le Seigneur a déjà lui-même faites.
nous devons faire, c'est tout simplement en esprit rentrer dans nos bénédictions de l'esprit. Rentrer dans nos bénédictions spirituelles. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Qui est son esprit. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous affectionner des choses d'en haut qui, elles, sont esprit. En réalité, les choses de la terre sont mises à notre disposition selon la grâce de chacun de nous. Amen. Amen. Oui. Les choses de la terre sont mises à notre disposition. Cela veut dire que tu as besoin de manger. La nourriture que tu dois manger est déjà mise à ta disposition. Tu ne dois pas batailler pour manger. Amen. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que nous enseigne le Seigneur. Tu ne dois pas bagarrer pour manger. Amen. Ces choses-ci sont à notre disposition. Amen. Elles nous suivent. Amen. Alléluia. Elles nous suivent. Ce pourquoi nous devons bagarrer, ce pourquoi nous devons travailler, c'est pour les œuvres de l'esprit. Amen. Ce pourquoi nous devons payer un prix, c'est pour les œuvres de l'esprit. C'est pour plaire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons payer un prix. C'est ce pourquoi nous devons travailler. Nous ne travaillons pas pour avoir les choses. Non, non. Le Seigneur qui nous connaît, le Seigneur qui nous a créés et qui a mis toutes ces choses-ci à notre disposition et qui nous les donne quand il lui plaît de nous les donner. Pour que cela nous fasse du bien pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Ne nous connaît que trop bien. Il ne peut pas nous les refuser. Il ne peut pas nous les priver. Alléluia. Mais il ne faut pas que ceci soit un blocage qui va nous empêcher de croître spirituellement. Ou alors de croître en esprit. De grandir en esprit. Parce que notre vie est spirituelle. Ce qui nous préoccupe, ce qui doit nous préoccuper, c'est notre vie spirituelle. C'est le prix que nous devons payer pour être permanemment dans la prière. C'est le prix que nous devons payer pour être permanemment dans le jeûne. C'est le prix que nous devons payer pour être permanemment dans la méditation de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un? Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous devons avoir son éducation. Nous devons avoir son instruction. Nous ne devons recevoir que de lui. Parce qu'il est notre Père. Or, le Père doit instruire l'enfant selon sa... Ok. Le Père qu'il est nous instruit selon sa parole. Alléluia. Oui. Nous devons donc recevoir l'instruction de lui. Mettre l'instruction en application. Afin d'être digne des enfants qui sont sortis de lui. Alléluia. Or, pour nous autres qui avons reçu l'esprit, qui sommes esprits, nous devons manifester la puissance de l'esprit. Alléluia. Parce que si nous sommes spirituels et que nous vivons par l'esprit, et si nous sommes chrétiens, cela veut dire que nous avons reçu de Dieu l'esprit. Son esprit. Alléluia. Or, son esprit, c'est l'amour, c'est la sagesse,
C'est la puissance. Alléluia. Si donc le chrétien est celui qui a... est celui qui a reçu l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de chrétien sans amour. Il n'y a pas de chrétien sans puissance. Il n'y a pas de chrétien sans sagesse. Alléluia. Il n'y a pas de chrétien sans puissance. Si tu me dis que tu es chrétien, je dois voir la puissance de Dieu sur toi. Amen. 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 Oui. Je dois voir la puissance de Dieu qui se déploie en toi. Lorsque tu es dans le monde, je dois voir la puissance se déployer en toi. Lorsque nous sommes ensemble, nous devons voir la puissance de Dieu se déployer au milieu de nous. N'est-ce pas ce qui se fait chaque fois? Alléluia. Amen. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons voir la sagesse, l'amour de Dieu se manifester au milieu de nous. Étant enfant de Dieu, et Dieu n'étant qu'amour, on ne doit voir que de l'amour en toi. Alléluia. On ne doit voir que de l'amour. Tu dois aimer, aimer et aimer encore. J'insiste, mon frère. Il ne doit avoir que de l'amour en toi. Cela signifie qu'il n'y a aucun moment... il n'y a aucun moment où il doit avoir autre chose que de l'amour. Il n'y a aucun événement qui va t'amener à manifester autre chose que l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui va t'amener à manifester autre chose que l'amour. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qui arrive, qu'importe la condition dans laquelle tu te trouves, qu'importe le problème qui est posé, la réaction qui sort de toi doit être de l'amour. En réalité, l'amour est tout ce que tu as à donner. Tu n'as rien d'autre à donner que de l'amour. Rien d'autre. Au point que s'il y a en toi autre chose qui se manifeste, qui n'est pas de l'amour, bien-aimé, fais des efforts, va devant le Seigneur qu'il enlève cette chose-là. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a une autre motivation dans toi, qui est autre que de l'amour, va devant le Seigneur. Prosterne-toi. Jusqu'à ce qu'il enlève cela. Parce qu'étant enfant de Dieu, il n'y a que de l'amour que tu dois donner. Souviens-toi que le Seigneur a dit que si quelqu'un te gifle à la joue gauche, donne-lui la, tends-lui la droite, alléluia. On m'a dit que c'était une révélation. Mais en attendant que ce soit la révélation, ce qui est dit est au moins dit comme ça. Alléluia. Avant de m'expliquer la révélation, travaille d'abord à faire la quantité-ci. Avant qu'on t'explique ce qu'il voulait dire après. Alléluia. Si tu ne peux pas tendre la joue gauche par amour pour la personne, tends la joue gauche par amour pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. Si la personne t'a giflé que tu ne peux pas lui tendre la joue gauche par amour pour elle, alors tends cette joue par amour pour celui qui t'a demandé de le faire. Bénissez ceux qui vous persécutent. Alléluia. Par moments, c'est douloureux de le faire.
Mais seulement c'est une instruction qui a été donnée. Et que nous avons obligation en tant que fils d'obéir de toutes les façons. C'est ça qui fait de nous des fils. Ou alors c'est ça qui exprime notre qualité de fils. Amen. C'est à ceci qu'on voit que nous sommes des fils. Devant la persécution de tes parents, devant la persécution de ta famille, le rejet de ta famille, devant les insultes de ton entourage, le Seigneur t'instruit de répondre par l'amour. Le Seigneur te recommande, te commande de ne répondre que par l'amour. Et si tu as autre chose que l'amour à donner, c'est que tu as un problème. Si tu as autre réponse que l'amour, c'est que tu as un problème. Il va falloir que tu ailles te mettre à genoux devant le Seigneur et que tu ne te lèves pas de là tant qu'il n'a pas résolu ce problème. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés à sa justice. Alléluia. À sa justice. Pas la justice selon nous. À sa justice. Et sa justice nous impose par moments de la douleur dans les penchants de nos cœurs, de renoncer aux penchants de nos cœurs. Alléluia. De renoncer aux penchants de nos cœurs. De renoncer à nos raisonnements. Parfois, c'est très difficile. Mais c'est la voie qui est tracée devant nous. Amen. Parfois, c'est très difficile. Mais le Seigneur ne nous a pas donné la possibilité de choisir. Alléluia. Il a dit, si vous êtes mes enfants, c'est comme ceci que vous devez vous comporter. Alors, si nous, nous disons ses enfants, nous allons boire cette humiliation-là. Alléluia. Nous allons boire cette humiliation-là. Nous allons supporter cette honte-là. Nous allons endurer ce mépris-là. Ces insultes-là, comme on dit, nous allons nous oindre avec. Et ça, c'est pour plaire au Seigneur. C'est pour plaire au Seigneur. Bien aimé, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils, en tant que des personnes qui vivent par l'Esprit, la soumission de notre chair n'est pas une chose aisée. Du tout. Amen. Que notre chair, que notre être se brise, que notre volonté fléchisse, se soumette, ce n'est pas la chose la plus aisée. Mais heureusement, c'est la condition pour être chrétien. Amen. Et cela, nous devons travailler pour que cela arrive.
Amen. C'est à cela que nous devons nous soumettre, c'est à ces choses-ci que nous allons nous soumettre pour que le Saint-Esprit que nous avons travaillé à recevoir ne soit pas attristé. Alléluia. Parce que nous savons qu'il y a encore la possibilité d'attrister le Saint-Esprit que nous avons reçu. Alléluia. Or, si nous avons payé un prix aussi fort, nous avons fait autant de sacrifices pour que nous puissions recevoir l'Esprit de vérité en nous, est-ce que c'est pour venir l'attrister à chaque coup? Non. Ce n'est pas pour l'attrister. Bien-aimé, ce n'est pas pour l'attrister. C'est pour être en permanence dans un état de réjouissance avec lui. Alléluia. C'est pour être en permanence dans un état de joie, d'allégresse, de très grande joie avec lui. Le Saint-Esprit habitant en nous. Nous devons veiller à ce qu'il soit toujours, à lui être toujours agréable. À lui être toujours agréable. C'est le Saint-Esprit. Il est saint. Alléluia. Il est saint. Oh, il n'admet pas la souillure autour de lui. Alléluia. Il n'admet pas la souillure. Les impuretés, non. Les raisonnements, non plus. Nous devons travailler afin que rien ne vienne mettre une tache à sa sainteté. Donc veillons à cela. Alléluia. Veillons à cela. Veillons à cela. Permanemment, bien-aimé. Permanemment. Ne permettons pas que des taches viennent salir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que c'est à un prix extrêmement élevé que le Seigneur a fait de nous ses enfants. Alléluia. C'est un prix extrêmement élevé que le Seigneur a fait de nous ses enfants. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Sois béni, mes bien-aimés. Amen. Nous allons continuer à nous réjouir dans le Seigneur. Ce sont les saints qui se réjouissent. Amen. Alléluia. Ce sont les saints qui se réjouissent. Jusqu'à la mort, je serai avec toi, Père. C'est quel cantique? 191. C'est une identité chrétienne. Ceux qui appelaient ça la première fois, là, c'était pour insulter les gens avec. Amen. C'est une étiquette qu'on collait sur leur dos. Mais ça nous sied bien, n'est-ce pas, hein? Amen. Que Dieu soit béni. Or, que nos vies soient pour le célébrer jusqu'à la mort. 191, nous y sommes. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en lutte avec toi.
Jusqu'à la mort, tu feras de sa croix
ta bannière. Amen. Jusqu'à la mort, sa croix sera ta bannière. Tu n'auras le regard tourné que vers lui et vers, pas vers autre chose que lui. Amen. À chaque instant, tu ne seras connecté qu'à lui. Alléluia. Ta vie, c'est pour lui. Tous les instants de ta vie lui appartiennent. À chaque instant de ta vie, tu lui es consacré. Alléluia. Alors, n'aie pas du temps à regarder ce qu'on dit de toi. Amen. Consacre ton temps à chercher ce que le Seigneur dit de toi. Amen. Et laisse-toi transformer par ce qu'il dit de toi en son image. L'esprit. Alléluia. Amen. Consacre toute ta vie à chercher ce que le Seigneur dit de toi. Et laisse que cette image qu'il a faite de toi te transforme. Alléluia. En son image. Alléluia. L'esprit. Son esprit. Amen. Oh, je voudrais tellement que quelqu'un comprenne ceci, Père. Merci. Veille à ce que tout ce qui motive ta vie, à ce que tout ce qui te préoccupe, soit ce que le Seigneur dit de toi. Ayant donc su ce que le Seigneur dit de toi, tu te laisses transformer par ce que le Seigneur dit de toi. Son image. Alléluia. En l'image de sa parole. Laisse que sa parole que tu as lue, qui est écrite sur les tables de ton cœur, travaille à l'intérieur de ton cœur, transforme ton cœur, mets dans ton cœur ce que le Seigneur veut. Alléluia. Enlève toutes les impuretés, toutes les tâches, sonde l'intérieur de ça. Enlève tout ce qui est pur, afin de te transformer en son image. C'est ta préoccupation. Laisse les choses du monde. Le Seigneur te les a déjà disposées. Ou alors laisse-les disposées en ta faveur. Amen. Tu ne peux en aucun cas, mon frère, tu ne peux en aucun cas, ma soeur, te détourner d'un tel amour, de quelqu'un qui t'a manifesté un tel amour. Alléluia. Alors la Bible dit que c'était à peine qu'on pouvait mourir pour un pécheur, pour un juste. Alléluia. Ses compassions se sont tournées vers toi qui étais pécheur. Amen. Amen. Mais ce que je voudrais te dire, ma soeur, c'est quoi? C'est que ce Dieu qui a payé le prix pour toi attend de toi juste que tu sois reconnaissant. Amen. Lui, de son côté, il est fidèle. Il attend juste que tu reconnaisses cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie là. Sa grâce est la tienne. Sa grâce t'appartient. Il t'a donné.
Il voudrait tout simplement que tu viennes entrer dans cette grâce-là et que tu puisses bénéficier des grâces qui se trouvent là-dedans. Cesse de bagarrer. Cesse de faire de ta vie un ring. Alléluia. Non, cesse de faire de ta vie un ring où tu bagarres avec le monde. Non, il a bagarré pour nous tous. Amen. Il a déjà bagarré pour toi. Ce qu'il te demande, c'est que tu viennes tout doucement, aisément, dans la grâce qu'il t'a donnée. Tu entres dans cette grâce-là. Tu lui es reconnaissant. Chaque jour, tu chantes son nom pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Amen. Oui. C'est pour toi un héritage. Amen. C'est pour toi un héritage. C'est un trésor qu'il t'a donné. Amen. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes, tu entres dans ton trésor et que tu le manges. Amen. C'est ton héritage à toi. Amen. C'est que tu prennes cet héritage. Il l'a déjà accumulé. Amen. Il l'a déjà fait ça. Il a déjà accumulé toutes ces choses-là. Il a mis à ta disposition. Vous vous souvenez de Salomon? Quand Salomon venait construire le temple, mes frères bien-aimés, quand Salomon venait construire le temple, il avait trouvé tout là. Non? Il avait fait des efforts. Il est venu trouver que le temple, tout était déjà là. Il est venu entrer dedans. Même la royauté qu'il est venu entrer dedans, il avait fait des efforts. Il est venu entrer dedans, non? C'était son héritage. Il est venu manger et boire les choses qui étaient dedans. Amen. C'est notre héritage à nous. Amen. Nous devons manger et boire les choses qui sont dedans. Amen. La grâce du Seigneur. Là-dedans, il y a de l'amour, il y a de la joie, Amen. Il y a de la bonté. Amen. Donc, mes frères bien-aimés, nous nous attendons tout simplement à... Ce à quoi nous sommes appelés, c'est tout simplement à nous prosterner devant le Seigneur. Rester permanemment prosterné devant lui. Que nos cœurs fléchis soient permanemment fléchis devant lui. Alléluia. Et là, nous aurons la puissance, la sagesse, l'autorité nécessaire pour tenir ferme devant toutes les épreuves du monde. Alléluia. Nous trouverons là, à genoux, la force pour tenir devant toutes les épreuves du monde. Alléluia. Cantique numéro 1. Parce qu'il l'a déjà fait, frère. Parce qu'il l'a déjà fait, ma soeur. Tu dois à chaque instant de ta vie te tourner vers lui et dire gloire à ton Seigneur. Amen. Que toute la gloire lui revienne. À chaque instant. Que toute la gloire lui revienne. Toi qui as eu le privilège d'écouter ceci, d'entendre ceci, nombreux sont ceux qui aimeraient entendre ça. Alléluia. Et l'entendre de cette façon-ci. Mais il ne leur est pas encore donné. Et il y en a parmi lesquels il ne sera même jamais donné. D'entendre comme ça. Alléluia. À toi qui as reçu cette grâce, ne la foule pas aux pieds, mon frère. Ne la foule pas aux pieds. Grand Dieu, nous te glorifions, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et
voix et rends grâce à ce merveilleux Dieu. Rends-lui les multiples actions de grâce par tes propres mots. Parce que ce qu'il a fait pour toi n'a pas de mesure. Rends-lui les multiples actions de grâce. Merci Seigneur, le Seigneur. Merci Dieu des dieux. Merci au Créateur. Merci au divin Créateur. Tu es le roi des rois. Donc tu es le Seigneur de tous les corps. Et ta confirmation, Seigneur, est dans le ciel, dans les mers, dans les profondeurs. Tu es digne de te glorifier. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de la Reine. Madame célèbre, Seigneur, pour te glorifier. Madame célèbre, oh Dieu de gloire, pour t'honorer. Papa, quand il n'y a pas de gloire, Dieu que toi. Papa, c'est toi qui as signifié le monde dans les mains célestes. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, le peuple, oh Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, c'est toi l'étoile du matin, Seigneur. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Père. Père, c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. C'est toi qui ordonnes et disposes toutes choses selon ton bon plaisir. Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois adoré. Père, sois magnifié. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur, pour le rachat de mon âme. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Merci pour tes offenses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour les œuvres merveilleuses que tu as accomplies, Seigneur, dans nos vies. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu m'as franchi et tu m'as rendu libre. Seigneur, tu as franchi ton peuple, Seigneur, et tu l'as rendu libre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as franchi ton peuple, Seigneur, et tu nous as rendu libre, roi de gloire. Père, tu as franchi ton peuple, Seigneur, et tu nous as rendu libre, Père. Tu nous as rendu libre de tout péché. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as rendu libre, Seigneur Jésus. Père, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout honneur et toute gloire te soit rendu de génération en génération, d'âge en âge, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu ordonnes et disposes de toutes choses, Seigneur. Je te loue pour ma vie qui est précieuse à tes yeux, Jésus. Je te loue, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, sur laquelle tu veilles. Je te loue, Seigneur, pour mes projets, Seigneur, sur laquelle toi-même tu veilles. Je te loue, Seigneur, pour chacun des enfants que tu m'as donnés. Je te loue, Seigneur, pour ton église que tu bâtis toi-même, Seigneur Jésus. Je te loue pour ton église, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car dans ta fidélité, Seigneur Jésus, Papa, tu prends soin de ton église. Je te loue, Seigneur, de ce que tous les jours tu ramènes dans ta maison ceux-là qui sont sauvés. Papa, je te loue. Je te rends des multiples actions de grâce. Merci, Père, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour ton église que tu bâtis. Merci, Père, pour ton église que tu bâtis. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, pour des haies que tu élèves autour de ton église, Seigneur, pour la protéger, mon Dieu, mon roi. Je te loue, Seigneur, pour mon cœur, Seigneur, que tu changes, que tu as transformé, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour mon âme, Seigneur, dans laquelle tu as enlevé toute souillure. Seigneur, je te loue de toutes les impuretés que tu as enlevées de mon âme, Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de toutes les zones d'ombre, Seigneur, que tu as éclairées dans mon âme. Seigneur Jésus, Papa, je te loue de ce que tu m'as jugé digne d'être appelé fils de Dieu. Pas parce que je l'ai mérité, pas parce que je l'ai mérité, Seigneur. Mais une fois de plus, par ton grand amour, par ton grand amour, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Papa, tu m'as jugé digne d'être appelé ton enfant. Papa, je te loue. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Merci pour tes offres. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bontés, Seigneur Jésus. À toi seul, Père, soit toute la gloire. Père, merci. Merci. Merci, Père. Merci, roi de gloire. Merci, Père. Merci, Père. Oh, Dieu de gloire, tu es digne d'être adoré.
Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus. Papa, tu es digne. Tu es digne. Donne à mon âme la grâce, ô Dieu de gloire, de fléchir les genoux permanemment au-devant de toi. Seigneur, que tout ce que je suis soit pour te glorifier. Tout ce que j'ai comme mon être tout entier, Seigneur, se répande au-devant de toi. Ô Jésus de Nazareth. Ô Jésus de Nazareth. Gloire et honneur à toi, Père. Gloire et honneur à toi, Père. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur à toi, Père. Gloire et honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci, roi de gloire. Merci pour les œuvres merveilleuses que tu accomplis toi-même, Père. Merci pour les œuvres merveilleuses que tu accomplis toi-même, Seigneur Jésus. Père, gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Merci, Père. Merci, continue à prier, mon frère. Tu vas demander au Seigneur de tu vas renouveler ton engagement à son service. Et tu vas prier qu'il te fortifie dans cet engagement-là. Qu'il te fortifie. Que tu puisses tenir ferme. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qu'il te fortifie, qu'il te soutienne. Afin qu'il te tenir ferme dans cet engagement à marcher dans sa crainte. À marcher selon ses voies. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Mon âme continue à soupirer après toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais d'avance que sans toi, Seigneur, je ne m'en sortirai pas. Je sais d'avance, Père, que sans toi, Père, je ne m'en sortirai pas. Voici mes frères, voici mes sœurs, qui fléchissent tous les genoux devant de toi, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, roi de gloire. Sans toi, nous ne nous en sortirons pas, Seigneur Jésus. Mais nous avons besoin de ton soutien. C'est pour cela que nous renouvelons notre engagement, Seigneur, à marcher dans ta crainte. C'est pour cela que nous renouvelons notre engagement, Seigneur, à marcher selon ta volonté, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Père, ne nous abandonne pas, Père, alors que nous crions à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi, nous accrocher à toi, Seigneur. Papa, nous engager, Seigneur, à tenir ferme devant toute forme d'adversité. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, parce que nous sommes faibles, Seigneur, et c'est en toi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes forts par toi, Seigneur, qui es avec nous pour nous fortifier. Nous sommes forts par toi qui es avec nous, Seigneur, pour nous fortifier. Oh, Papa, merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, à demeurer avec nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité à ne pas nous abandonner, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, de tenir, de nous tenir, de te tenir toujours de notre côté, Père. Merci, roi de gloire.
Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ 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 de Nazareth. Merci pour ton peuple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu des saints. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, roi de gloire. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour les œuvres merveilleuses que tu accomplis toi-même. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, roi de gloire. Merci. Merci. Merci, Père. Père, merci. Merci pour les œuvres merveilleuses que tu accomplis, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Merci pour la transformation, Seigneur, que tu accomplis dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci pour la transformation, Père, que tu accomplis dans les cœurs. Merci pour la transformation, Père, que tu accomplis dans les cœurs, mon Dieu, mon roi. Merci pour la transformation, Père, que tu accomplis dans les cœurs, Père. Merci pour la transformation que tu as accomplie dans les cœurs, Seigneur Jésus. Mais merci pour la transformation. Merci pour la transformation. Merci pour la transformation. Merci pour la transformation des cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour les cœurs que tu as, mon Jésus. Merci pour la transformation, Seigneur, dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Merci pour la transformation dans nos cœurs. Merci pour les fardeaux que tu enlèves. 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 Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les fardeaux que tu enlèves. Merci pour les fardeaux que tu enlèves. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour les fardeaux. Merci pour les fardeaux que tu enlèves. Que tu ôtes, Seigneur. Merci pour les fardeaux que tu ôtes. Merci pour les fardeaux que tu ôtes. Merci pour les cœurs que tu guéris. Merci pour les cœurs que tu guéris. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour les cœurs que tu guéris. Merci pour les cœurs que tu guéris. Au nom de Jésus. Merci pour les cœurs que tu restaures. Merci pour les âmes que tu restaures. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour les âmes que tu restaures, Père. 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 Au nom de Jésus. Merci pour les âmes que tu restaures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les sentiers que tu as planés. Merci pour les sentiers que tu as planés. Merci pour les cœurs que tu as franchis. Merci pour les âmes que tu as franchis, Seigneur. Et que tu rends libre, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Toute imagination de l'homme. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. À toi seul, Père, sois toute la gloire. Merci, roi de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Tu es fidèle. Tu es béni. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. À toi seul que soit toute la gloire. Merci. Merci Père. Merci Père. Alléluia. 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 À Jésus, je m'abandonne. C'est quel numéro ?
223. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il veut, dis-je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne, avec les sans tremblés, quand
Père céleste, apprends-nous à compter sur toi, Seigneur. Enseigne-nous à compter sur toi, notre Dieu, notre roi. Père, enseigne-nous à compter sur toi, mon Dieu, mon roi. Enseigne-nous à compter sur toi, Père. Enseigne-nous comment compter sur toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Enseigne à chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le comment compter sur toi, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Enseigne à notre esprit, Seigneur Jésus, comment compter sur toi, mon Dieu, mon roi. Papa, enseigne à notre esprit, Père, comment compter sur toi. Enseigne à notre esprit comment compter sur toi, roi des gloires. Je te supplie, mon Dieu, mon roi. Enseigne à mon esprit, Seigneur, comment compter sur toi, mon Dieu, mon roi. Père, enseigne à mon esprit comment compter sur toi. Papa, que tous les jours de ma vie, Seigneur, je ne compte que sur toi. Papa, que tous les jours de ma vie soient destinés à compter sur toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, enseigne, oh Dieu de gloire, à mon esprit. Enseigne à mon être tout entier. Enseigne, Seigneur, à mon âme comment compter sur toi, Seigneur. Papa, que mon âme compte sur toi, Seigneur Jésus. Père, enseigne à mon âme, Seigneur, comment compter sur toi. Oh, mon âme, tourne-toi et compte sur le Seigneur. Tourne-toi, mon âme, et attends-toi du Seigneur. Tourne-toi, mon âme, et attends-toi du Seigneur. Mon âme, glorifie le nom du Seigneur. Mon âme, tourne-toi et attends-toi du Seigneur. Attends-toi au Seigneur, en toutes circonstances, en toutes choses. Tourne-toi et compte sur le Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Père, à toute honneur, toute gloire, Seigneur, te soit rendu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, roi de gloire. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Dieu nous remercie. Merci pour les œuvres merveilleuses que tu accomplis, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire, que tu disposes mon être, Seigneur, tout entier à ne compter que sur toi. Merci de disposer mon être tout entier, Père, à ne compter que sur toi, roi de gloire. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes offerts. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, roi de gloire. Merci, Père. Seigneur Jésus, merci. Merci, roi de gloire. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toi seul, Père, soit toute la gloire. Alléluia. Béni es-tu, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Béni es-tu, roi de gloire. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ma vie précieuse à tes yeux. Merci pour tes bontés, Seigneur, tes offerts. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur pour ton Église, Seigneur Jésus. Merci pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs. Merci pour chacune des âmes, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu guéris. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour chaque cœur que tu changes, Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos âmes que tu as franchies, que tu rends libres, Seigneur, pour ton service. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci au-delà de nos imaginations, au-delà Seigneur de nos pensées. Merci pour les œuvres merveilleuses que tu accomplis, Seigneur Jésus. Merci de faire de nous ton ouvrage, Père. Merci de faire de tes enfants, ô Dieu de gloire, les co-ouvriers avec toi dans cette œuvre merveilleuse que toi-même tu accomplis, Seigneur. Père, merci. Merci de faire de nous des seigneurs, des héritiers avec toi. Seigneur, les héritiers du royaume. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout honneur et toute gloire te soient rendus, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci pour le cœur que tu guéris, Seigneur Jésus. Merci pour les âmes, Seigneur, que tu délivres. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu restaures. Merci pour les vies que tu restaures, Seigneur. Merci pour les vies que tu restaures, Père. Merci. Merci pour l'assurance que tu mets dans les cœurs. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen.
Mon frère, tu veux t'asseoir? Alléluia. Merci, Père. Amen. Que son nom soit permanemment élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois béni, mon frère bien-aimé. Amen. Promets-toi et dis à ton frère, bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans sa sainte 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 présence. Alléluia. Demeure dans sa sainte présence. Alléluia. Même lorsque tu seras parti d'ici, demeure dans sa sainte présence. Veille. Veille à demeurer dans sa sainte présence. Travaille à demeurer dans sa sainte présence. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour cette journée, cette soirée que tu as disposée. Merci Père. Merci pour chacune de tes brebis, Seigneur. Merci car c'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui œuvres dans les cœurs de chacun de nous. C'est toi qui œuvres dans les vies de chacun de nous. Et nous savons, ô Dieu de gloire, que tu l'as fait encore une fois de plus. Nous savons que tu l'as fait encore une fois de plus, Seigneur. C'est pour cela que nous nous réjouissons en ta présence. Parce que nous ne sommes jamais les mêmes lorsque nous entrons dans ta présence, Seigneur. Nous ne ressortons jamais les mêmes. Seigneur, merci. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci pour nos âmes, Seigneur, que tu transformes, que tu restaures. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes hauts faits. À toi seul, Père, soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, il n'y a que de la joie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons en joie. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il un témoignage? Un témoignage. Moi, j'en ai un. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, je ne me souviens plus exactement du jour. Mais il y a un jour où nous avons fini notre assemblée. Amen. Nous avons fini, nous nous sommes séparés. J'étais en train de sortir pour aller m'asseoir sur la table. Comme souvent, au sortir d'ici, on s'assoit sur la table là-bas. Je suis arrivé ici. Il y a la sœur Fallon qui s'est mise à l'intérieur et elle a entonné un cantique. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. C'est plus tard que j'ai su que c'était elle. J'étais dehors en train de partir. Sauf que ce cantique a réagi comme une clé. Et ça a ouvert les portes du ciel et je suis parti. Alléluia. Ça a ouvert les portes du ciel et je suis parti. Là maintenant, je ne savais plus. J'étais au ciel en train de marcher sur la voie de cristal qui conduit devant le trône. Le trône, je le percevais loin, très loin. Mais il y avait une immense voix
qu'il conduisait au trône. Et c'était entièrement... C'est un peu comme si c'était des cristaux de... C'était en cristaux. Bref, je ne sais pas quelle matière. Mais c'était énormément brillant. Et je marchais dessus. Et moi, j'étais en train de marcher. Et pendant que je marchais, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Je marchais et j'adorais le Seigneur en marchant. Sur le chemin en question, j'étais en train d'adorer le Seigneur en marchant. Et cette adoration a mis du temps. J'étais en train de chanter ce même cantique. Amen. Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh. Approcher le trône, c'était loin. À un certain moment, je me suis prosterné et j'étais en train d'adorer. À ce moment-là, je ne chantais plus. C'est au fond de moi. J'écoutais l'intérieur de moi qui adorait. Alléluia. Je ne chantais plus. C'était à l'intérieur, pas à l'esprit que j'adorais. Alléluia. Et à un certain moment, je me suis... L'adoration est finie et je me suis retrouvé ici. Sauf qu'au moment où je me retrouve ici, je suis à genoux au milieu de la route là-bas, là où on garde les voitures. C'est là-bas que j'étais à genoux. S'il y avait eu des gens qui avaient été vigilants, s'il y avait attentifs, ils devaient m'avoir vu là-bas à genoux sur le gravier là-bas. Mais ce qui est très surprenant, c'est que je ne sais à quel moment je suis arrivé là-bas. Puisque quand ça m'a pris, j'étais ici. Je ne sais à quel moment je suis arrivé là-bas. Je ne sais à quel moment je me suis agenouillé. Je n'ai pas senti la douleur des graviers qui mangeaient mes pieds. C'est lorsque je suis revenu. Lorsque je suis revenu, à l'instant même où je suis revenu, j'ai senti comment les graviers étaient en train de ronger mes pieds. Alléluia. Amen. J'ai senti comment les graviers étaient en train de ronger mes pieds et je me suis rendu compte que j'étais en larmes. Alléluia. Cette fois-là, j'étais en train de pleurer vraiment, à chaudes larmes. C'était... Donc pendant que j'étais là-bas en train d'adorer ici, j'étais en train de pleurer. Oh, alléluia. Amen. J'étais en train de pleurer certainement de joie dans l'adoration. Alléluia. Amen. Je pleurais d'une très grande quantité d'amour. Amen. Que le Seigneur me donnait de l'adorer. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Y a-t-il d'autres témoignages? Oui, mon frère. Bonsoir, peuple saint. Bonsoir. Je me tiens devant vous en cette soirée pour témoigner la bonté, la fidélité de notre Seigneur. Amen. La chose s'est produite ces jours-ci. Il y a de cela, si je me souviens bien, 2 ans, j'ai acheté un lopin de terrain quelque part. Et ça fait pratiquement 3 jours, les voisins nous ont appelés pour nous donner le compte rendu que les mêmes gens ont revendu le même terrain. Dans la précipitation, l'embrouille, on s'est rendu donc sur les lieux. Avec tout le cafouillage dans lequel on pouvait se retrouver, ce premier jour, on est rentré.
sans solution. Mais ce qui était dans notre pensée, c'était de chercher à sécuriser déjà le terrain. Parce que quel qu'en soit le cas, nous étions les premiers acheteurs. Et quand nous sommes arrivés à la maison, la chose première à faire, c'est d'aller devant le Père pour lui présenter la chose. Et moi particulièrement, je ne priais pas pour ça. Parce que j'avais résolu en moi que je ne peux pas prier pour ça. Je ne dois même pas prier pour ça. Bon, pendant que votre sœur était en train de crier devant le Seigneur là-bas, le Seigneur lui fait voir en vision que cet endroit doit être détruit. Quand elle est donc revenue, elle m'a présenté la situation. Elle dit, waouh. Et le lendemain maintenant, nous avions déjà l'information du ciel. Puisque le Seigneur dit, rien ne peut arriver à ces zones sans qu'il ne le fait. Maintenant, le lendemain, moi je n'étais même pas là. Elle est retournée là-bas. Et le monsieur a donc dit qu'il va rembourser l'argent qu'on avait versé. Mais pas en un temps, en plusieurs tranches. Et ce n'est pas un problème. Puisque nous connaissons déjà ce qui va être au futur. Donc même si c'est en combien de tranches, pourvu que ce soit remboursé. Et c'est comme ça qu'il a donc accepté de donner déjà une partie de l'argent. Donc, si je viens devant vous pour témoigner la fidélité du Seigneur, parce que souvenons-nous un seul instant que le Seigneur ne présente pas ceci. Il nous laisse avancer. On en a une gain de cause et puis on se met à investir sur ce terrain. Qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces dépenses? Un beau matin, ce sont les engins qui se présentent et cassent tout. Mais le Seigneur ne peut pas accepter que ses enfants passent par ce genre de chemin. Amen. Mon cœur rempli de joie pour ce qu'il fait pour nous. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Et je sais, pour chacun de nous ici, il fait des merveilles. Bien-aimé, il est fidèle. Alléluia. Applaudis encore pour lui. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Mets ta confiance en lui et il agira. Alléluia. Oui, frère. Oui. Lorsque ça va arriver, il va prendre son serviteur, le mettre de côté. Alléluia. Avant que ce qu'il va faire se passe. Alléluia. Il va mettre son serviteur à côté. C'est lui qui permet que ce qui va se faire là se fasse. Amen. Mais avant que cela se fasse, il aura enlevé son serviteur, mettre à côté. Son serviteur ne souffrira pas de ce qui est en train de se faire. Amen. C'est pour cela que nous sommes fils. Amen. Sois béni, mes frères bien-aimés. Amen. Alléluia. Ok, s'il n'y a plus de témoignages. Oui, ma soeur. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir les extraterrestres. Bonsoir, bonsoir les Illuminati. Merci. Je viens témoigner de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Alors que ce matin, il menaçait de pleuvoir. Quand nous sommes levés, il y avait même déjà des gouttes de pluie. Et comme c'est dimanche, le programme devait commencer tôt, à 9h. Donc j'étais en train de balayer la cour. Donc je me suis dit, après ça commence à bavarder dans mon esprit, que si la pluie s'y descend, tu ne vas pas finir de balayer la cour. Il y aura toujours les ordures partout.
Dès que c'est venu dans mon esprit, j'ai dit, j'ordonne à cette pluie de s'arrêter. Amen. J'ordonne à cette pluie de s'arrêter. J'ordonne à cette pluie de s'arrêter. Il y a beaucoup de témoignages, mais aujourd'hui je me limite à celui-ci. C'était déjà fini. Et la pluie s'est arrêtée. La vie du chrétien est faite de choses surnaturelles. Amen. La vie du chrétien est faite de choses surnaturelles. En fait, ça ne devrait pas être un exploit. On ne devait pas voir ça comme une grande chose d'avoir fait une chose comme celle-ci. Parce que ceci doit être notre quotidien. Amen. 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 Tu dois vivre ainsi. Ces choses doivent se passer là quand tu veux. Alléluia. Oui. Ah, il y a de la puissance dans cette maison. Amen. Alléluia. Ah oui, dans chacun de nous, là, il y a de la puissance. Amen. Manifestons-le. Amen. Je ne veux plus entendre les pleurs dans cette histoire-ci. Dans cette maison-ci. Alléluia. Oui, c'est terminé, mes frères. Amen. Je ne veux plus entendre les pleurs. L'autorité, la puissance, l'amour, la sagesse. Amen. C'est comme ça qu'on avance. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Oui, tu prends position, tu avances. La position selon Dieu, tu avances. Qu'importe le reste, il s'en occupe. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devant, tu avances selon sa volonté, les délices s'occupent de toi. Amen. Sa puissance. Que son nom soit glorifié, mon frère. Amen. Alléluia. Y a-t-il d'autres témoignages? Oui, frère David. Hé, hey, frère David, rassieds-toi d'abord, s'il te plaît. Maman vient. Amen, Amen, maman. Comme Papa Soa dit là, il y a tellement de jours et tellement de choses, on ne sait même plus c'était quand. Amen. Et il y a maximum 5 jours. Nous avons encore soleil ici à terre. Après, je suis allée m'asseoir là-bas avec le ciel et tout et tout et tout. Après, j'ai senti une douleur étrange, le genre de douleur que je n'ai jamais senti ici. Ça faisait très mal. J'ai dit que ça, c'est encore qui? Ça, c'est encore qui? Pendant qu'il était là, je vais toucher, ça fait très mal, je vais toucher, je suis restée. J'ai dit, en tout cas, si c'est la chirurgie qui se passe, va faire ton travail. Amen. Mais si c'est un mauvais esprit qui veut m'attaquer, je m'en fous, fous-moi le camp. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai commencé à gérer mes soeurs, mes fatigues et tout et tout. Je ne sais pas quand c'est parti. Amen. J'aime ça, mes frères. Voilà les bons témoignages. Pas les histoires qu'on est parti aussi, on est venu. Voici les bons témoignages. Alléluia. Yes. Yes. Écoutez, vous avez écouté sa question?
avez entendu ce qu'elle a posé comme question? Quand elle a senti ça, hein? Elle a dit que ça c'est encore qui? Elle n'a pas dit que ça c'est encore quoi? Elle a identifié que ça c'est quelqu'un. Et lui doit partir. Il doit partir! C'est encore qui veut cohabiter dans un corps sain. Alléluia. Amen. Tu n'as pas ta place ici, mon frère. Amen. Pas seulement. Amen. Alléluia. Amen. Pas. Et le gars n'a pas attendu. Hein. Elle s'est occupée à faire le. Quand elle a dit de partir, elle ne sait plus. Elle avait déjà ordonné que tu. Elle s'est occupée à faire ces choses. N'est-ce pas? Amen. Le gars, il n'a plus su. Elle-même, elle n'a plus su à quel moment le gars est. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait que. Partir. L'instruction lui avait été donnée. Amen. Il doit partir. Amen. Applaudissons pour lui. Lorsque vous recevez ces choses-là, mettez-les en pratique. Amen. Arrivé, tu fais aussi, tu vas voir, ça va faire. Alléluia. 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 Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Faites tellement de témoignages à dire, mais je vais parler un peu ce qui est un peu plus récent. Amen. Une fois, j'étais là, pour ceux qui ont assisté à la pluie bienfaisante, je vais un peu commencer là. J'étais assis ici. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de rendre le ministère, quand les anges sont venus, un était tenu là, justement ici. Et j'étais là. Quand ça m'a pris, je vous assure, c'est comme si, je ne sais pas si le courant électrique vous a frappé. L'énergie qui est entrée en moi ce jour, puisque l'homme de Dieu a dit là dehors, c'était chaud sur toi. Non. À force que j'arrêtais, c'est comme si j'allais. C'est comme un moment donné, comme si je sentais comme si la chaise n'était pas. J'étais pas. J'étais surmonté comme ça. J'étais pas assis sur la chaise. C'était vraiment très fort. Amen. Et avant cela, j'ai prié, j'étais à la maison. Quand on dit Seigneur, remplis-moi de ta présence. J'ai prié que Seigneur, remplis-moi de ta puissance d'être au moins 1500 volts. Amen. Curieusement, deux à trois jours plus tard, j'étais là au fond un dimanche, comme aujourd'hui. Et j'étais avec mon fils, que vous connaissez. Je me suis allongé par le dos. Et le frère Alexis était juste couché à côté de moi. Et j'ai pris mon fils, je l'ai mis face à moi. À peine 5 minutes, un léger sommeil m'a pris. Je me suis retrouvé quelque part comme si c'était au ciel. Mais je voyais cette maison-ci, mais ailleurs. Je voyais tout le mur-ci. Était là, ici était là, mais le mur-ci était plutôt ici, comme ça. Il dit cette maison-ci, je l'ai vu ailleurs. Cette maison-ci est ailleurs. Cette maison-ci qui nous entre là est ailleurs. Amen. Et subitement, j'ai vu comme un grand transformateur là. Et vous savez, quand le tonneau fait boum, ça sort les traits au ciel. J'ai vu des traits sortir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est sûr, réuni au milieu. Et ça frappe sur moi. Du coup, j'ai lâché l'enfant. L'enfant est tombé. L'énergie qui est entrée en moi, je vous assure, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ce jour-là, c'était là, un dimanche. Après le culte du matin. Récemment, mon fils a eu un problème. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur mon fils. Au niveau de ses pieds. Et il marche comme ça. De toute façon, si. J'ai attiré l'attention. Je lui dis, regarde, l'enfant, il ne marche pas bien, quelque chose qui ne va pas sur lui. Il me dit, tu sais ce qu'il y a à faire. Je prends donc l'enfant, je vais prier, j'attends mon père, prends l'huile. Je prends l'huile, je vois exactement sur ses pieds, je vais prier, et là, je lâche, il regarde, je regarde. Quand je regarde, je quitte vite sous son pied. Quand je quitte vite sous son pied, la chose s'est arrêtée, le lendemain, toutes les choses qui étaient sur tous ses pieds, l'enfant s'est parti. J'ai dit, je le répète, j'ai réglé le pied, j'ai dit, quitte vite sur le pied mon fils. Amen.
quitte vite sous son pied. C'est ce que j'ai dit, quitte vite sous son pied. Et la chose est quittée. La chose est quittée pour dire que l'autorité que le Seigneur nous a donnée, il suffit juste d'être attentif et de savoir comment le déployer selon sa direction. Selon, comme la sœur le dit chaque fois, tu as reçu, mais tu ne dois pas te lever pour faire des choses de toi-même. Selon sa direction et avoir foi en ça. Le moment de plénicher est fini. Ah oui. C'est terminé. Amen. Le moment de pleurer est terminé. Amen. Le moment est venu où le monde des ténèbres va savoir de quoi les questions sont posées. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et le 14, c'était mon jour. C'était mon jour. Par la grâce de Dieu. J'étais assis là où maman Tania assise là. Assis là. Et quand les conducteurs sont entrés, ils ont dit que bon, les qui ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils se mettent dehors. Ceux qui n'ont pas reçu, restez là. J'étais chez moi assis à la même place. Pendant qu'on priait, les conducteurs étaient là, les mains levées. Ils invoquaient, ils priaient au Seigneur. À un moment donné, le frère Hervé, dans mon esprit, c'était lui. Il a mis les mains sur moi, il a prié, il a insisté. Ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas comment il peut expliquer ça. C'est sûr, donc pendant qu'il priait là, j'ai senti cette présence est venue. Quand ça m'a pris là, ça veut que c'était bon. Amen. C'était ce jour par sa grâce. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il y a tellement de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là par sa grâce. Amen. Yes, c'est la puissance. Il faut que cela se voie. Il faut que quand tu marches en route, on sache que celui-ci là, il n'est pas comme les autres. Amen. Lorsque tu ouvres ta bouche, que la parole qui sort de ta bouche, que ce soit, cela soit distingué. Qu'on sache que celui-ci là, il est différent des autres. Amen. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est avec autorité, c'est avec puissance. Amen. Oui. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères. Ok. Baissons la tête, nous allons. Oui, ma soeur. C'est arrivé qu'est-ce qu'elle se rappelle encore sur les autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Une fois de plus, je viens faire un autre témoignage. J'ai dit, il y a beaucoup de témoignages. Ça ne peut même jamais finir. Le peu que nous faisons même ici... Je me dis, de mon côté, c'est insignifiant. Parce que même le souffle de vie, notre façon même de vivre, comme Papa Sau vient de dire, nous dégageons la puissance et des choses merveilleuses que l'homme qui vit selon la chair ne peut pas expérimenter. Donc je viens témoigner parce que le programme tire déjà vers la fin. Donc je viens témoigner, peut-être le Seigneur a ajouté ces jours pour que les témoignages sortent davantage. Donc pour dire que vraiment, que le Seigneur soit à jamais glorifié. Tout ce qui se passe là, du début jusqu'à la fin, je n'ignore rien. Donc en juin 2023, j'avais des plaintes à déposer au devant de mon Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est le matin, dès que je me procède, il me dit que tais-toi. Je suis en train de venir pour mettre de l'ordre dans mon église. Amen. Toi, va lire Isaïe chapitre 54. Quand je commence à lire, il me dit que toi, stérile, réjouis-toi. Il a commencé à dire des paroles de bénédiction. Donc, jusqu'à me citer à la fin, voici l'héritage que je donne à mes serviteurs et à mes servantes. Donc, je ne vais pas citer l'héritage. Il y a des choses que nous déclarons, comme Papa Sau dit, nous marchons avec la puissance de Dieu. Et cette puissance est manifestée. Ma situation n'était pas facile de venir à ce programme. Mais le Seigneur, je prie, un jour le Seigneur prend l'image d'un conducteur, d'un caterpillar. Le Seigneur parle, il dit que je suis déjà dans le caterpillar. Tout ce qui fait blocage à son passage, je vais déchirer et dégager. Gloire à Jésus. Et il a répété, le Seigneur a répété que tout ce qui fait blocage à son passage pour qu'elle aille là-bas, je vais dégager. Tout ça va tomber.
J'ai dit gloire à Jésus. Donc je n'ai plus continué à prier. Je marchais seulement dès qu'il me dit fais telle chose comme ça. Je vais devant lui, je dis gloire à toi Seigneur. Je vais faire comme tu dis. Jusqu'à aujourd'hui, après m'avoir dit je suis en train de venir, le Seigneur me dit que c'est le moment. Il m'a dit ça deux fois. Il me dit, c'est le moment, le premier jour. Après, je prie encore, Seigneur, c'est le moment. Regarde, tu as déjà tout disposé. Je m'attends seulement à toi. Le deuxième jour qu'il me dit, c'est le moment, je me retrouve avec le frère Donatien Bobda. Donc, nous atterrissons à une dimension. Nous atterrissons dans sa maison. Il y avait un désordre fou. On ne savait pas où commencer. Donc, je l'évitais un peu. Après, le Seigneur nous transporte à une autre dimension. On atterrit en même temps encore. Il me dit que, Sœur Josette, tu es là. Je l'évitais. Je vois le garçon, il va marcher devant moi. Il était torse nu. Donc, il marchait. Tellement je marchais avec la puissance de Dieu que tout ce qui était sur mon chemin, je dégageais. Je voulais le taper comme ça, que tu es devant moi. Après, lui-même s'est évité. Nous nous atterrissons à un endroit. La puissance qui est descendue le jour-là, personne ne pouvait résister. Une cohorte de démons est descendue. Je n'avais pas besoin de dire au nom de Jésus. Je montrais la main comme ça. Les démons tombaient au sol. Donc, les programmes ont commencé, je crois, en septembre. Le Seigneur me parlait audiblement. Je me suis déjà levée. Vous avez la victoire. Amen. Maintenant, je me suis levée pour vous venger. Maintenant, je me suis déjà levée. Déclarer seulement des choses. Donc, je viens témoigner de cette grâce-là. Nous marchons avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Parfois, je n'ai pas besoin de prier. Quand j'ai un besoin dans mon cœur, je reste comme ça. Je dis que Seigneur, je m'attends à toi. Je ne prie même pas. Je marche seulement. Ça parle dans mon cœur. Ça parle dans. Et je vois la chose se disposer. Donc, vraiment, le Seigneur est Seigneur. Parlant de comment dire, le Seigneur a scellé, nous a remplis de son esprit, a fait ci. Il y a beaucoup de témoignages. Si ce sont les songes, les révélations, les visions, les si, c'est beaucoup. Le Seigneur me l'a confirmé. En 2023, je n'ai pas célébré la scène. J'ai dit au Seigneur que, Seigneur, je suis ta servante. Je vais célébrer une scène spéciale. Que le monde entier sache que je t'attends. Donc j'ai dit ça à Jésus et il l'a fait cette année au point que quand le mois d'avril commence, je vais devant mon père, que nous sommes dans un mois décisif, nous célébrons la scène. Tu nous as dit la Pentecôte et tout ça, mais père, montre-moi la scène, comment elle va se... Pas beaucoup de bavardage et autres. Le Seigneur, en journée, j'avais le problème de princesse. C'était déjà baptisé au nom de Jésus. Donc, ça parlait dans mon cœur qu'elle n'a pas encore les enseignements sur la scène. Donc, j'ai appelé, je ne vais pas cacher, j'ai causé avec la sœur Grâce. Donc, on discutait de ça. Après, elle m'a dit, « Maman Josette, princesse va s'asseoir à la table du Seigneur avec vous. » J'ai dit, « Gloire à Jésus. » Donc, quand le soir, je veux dormir, le Seigneur ouvre mes yeux. Il dit que regarde ce qui va se passer. Au point que j'étais à deux dimensions. Je voyais la scène ordinaire que nous célébrons ici. Et je voyais, on demandait à, je crois, la sœur Mireille. Quelqu'un l'a envoyé, va chercher la sœur Josette. Donc j'étais, tout ce qui se passait là-bas, je voyais, j'écoutais comment on dit, va chercher, qu'elle vient faire ci, qu'elle vient faire ça. Et je suis ici avec le Seigneur et celui avec qui il a ordonné d'organiser cette fête. Donc celui-là, il mettait ma main. Princesse marche devant nous comme ça. Il me dit que regarde princesse, pourquoi tu dis que tu te soucies de princesse? Princesse, nous marchons par la vue, dans l'apparence. Ce n'est pas ça qui compte pour moi. Princesse que tu vois là est plus que celle dont tu dis la peur. Donc le Seigneur est ici. Il me
tient, le Seigneur est placé ici et c'est lui à qui il a ordonné d'organiser sa fête comme ça. On s'est mis à bavarder que non, je voyais. Donc on parlait de près. Prince marchait devant nous comme ça et l'autre marchait. Le Seigneur me disait que voyait. Le Seigneur lui-même comme ça, celui à qui il. Donc on a commencé à parler, à causer. Donc tout ce qui se passait dans l'autre fête ordinaire, j'écoutais aussi. Donc à ces deux dimensions-là. Après, comme dans. La fête ordinaire, c'était bizarre. On a dit, donnez-nous la boisson, comme nous faisons ici. Donc, on a présenté, c'était comme le foléré, comme c'était rouge. Après, le Seigneur dit à son serviteur que, mais c'est à toi que j'ai demandé d'organiser la fête, exactement comme, comme il l'avait ordonné. Il lui dit que, mais c'est toi qui es censé organiser la fête. Conduis-nous où on doit célébrer la fête. Je dis qu'on a ouvert un rideau comme ça. Oh là là! Dès qu'on a tiré comme ça, même le fait, la table, la façon dont la table était dressée, c'était spécial. On a commencé à Donc, c'était merveilleux. La fête de cette année... Vraiment, c'était merveilleux. La Pâque de cette année, ce n'était pas comme une autre fête. Donc, que le Seigneur soit à jamais glorifié. Wow! Applaudissements pour le Seigneur. Que le Seigneur soit à jamais glorifié. Amen. Alléluia. Amen. À jamais glorifié. Ma sœur, tu as célébré ta sainte scène spéciale. Amen. Tu as demandé au Seigneur une certaine place. Alléluia. C'est comme ça que nous devons faire. Lui demander et il va exaucer nos prières. Amen. Soupirer après lui va exaucer nos prières. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Mes frères. Amen. 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 Nous allons, le témoignage, nous allons continuer demain. Alléluia. Nous allons continuer demain selon la grâce que le Seigneur va nous donner. On se retrouve ici demain à 17h, c'est cela? Amen. Amen. Demain 17h. Baissons la tête, nous allons prier. Père, merci. Merci tout simplement, Père. Lorsque nous écoutons tes hauts faits, Seigneur, lorsque nous écoutons, lorsque nous voyons ce que tu fais, Seigneur Jésus, nos âmes ne peuvent que se réjouir. Papa, nous ne pouvons que élever les yeux vers toi et te dire merci. Merci tout simplement, notre Dieu, notre roi. Que tout honneur et toute gloire te soient rendus de génération en génération. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Bien-aimés, rentrons dans la paix. Amen. Demeurons dans la paix. Wow. Demeurons dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen.